le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'update lecture de mars. Alors, cette update sera divisée en deux vidéos puisque j'ai complètement dévoré des livres ce mois-ci. Je ne voulais pas vous présenter 11 lectures en une seule vidéo, ce sera complètement indigeste. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez voir prochainement un autre update lecture de mars. Ce sera tout simplement la suite. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon précédent update lecture, on va commencer ce mois-ci par un voyage littéraire au Chili et vous allez voir avec mes autres lecture qu'on va rester un petit moment en Amérique latine. Alors la première lecture que j'ai faite, c'était Inès de mon âme, voilà, que j'avais reçue dans ma toute première box cube, donc l'unboxing est disponible également sur la chaîne. J'avais demandé à découvrir une autrice d'Amérique latine et donc c'est chose faite puisque c'est une autrice chilienne. Alors avec ce livre là, vous allez suivre Inès Suarez qui est une personne qui a réellement existé au 16e siècle. Ce livre n'est pas un livre historique, comme le dit l'autrice, c'est un livre d'intuition, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur les quelques recherches qu'elle a faites, mais en aucun cas vous pouvez le prendre comme ce qui s'est réellement passé et comme la vraie vie d'Inès. C'est plutôt, on est parti sur des bases historiques et ensuite on a romancé toute cette histoire pour ce livre-là. Il y a une bibliographie à la fin qui... elle n'est pas si longue que ça. La raison aussi, c'est que en fait, le destin d'Inès Suarez a été oublié pendant des centaines d'années par les historiens. Une femme au XVIe siècle qui a participé à la conquête d'un pays d'Amérique latine, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Et donc voilà, je pense que le manque de support historique fait que c'est un petit peu compliqué de retracer sa vie. Donc l'autrice a choisi de raconter cette histoire comme si c'est Inès elle-même en fait qui écrivait ses mémoires arrivées à la fin de sa vie afin que les générations suivantes puissent connaître son parcours. Et donc c'est de cette façon qu'on va avoir toute l'histoire de manière chronologique jusqu'à, on va dire, ses 70 ans. Le fait de choisir en fait ce schéma narratif là fait que vous ne pouvez avoir que des scènes qu'Inès a elle-même vécu ou qu'on lui a raconté, puisque ça serait complètement en décalage de présenter une scène qu'Inès n'a pas pu voir ou n'a pas pu connaître. Le problème c'est que des fois je me rappelais pas forcément que c'était ce schéma là, donc j'ai pas fait attention, mais il y a une scène où typiquement elle n'a pas pu savoir ce qu'il se passait, cette chose là. Je pense pas qu'on ait pu lui raconter puisque c'était le clan adverse, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai, quand j'ai lu cette scène, je me suis dit, mais si on se place du point de vue d'Inès, en fait on n'est pas censé avoir cette scène dans les détails. Donc je sais pas s'il y en a qu'une ou plusieurs, mais si vous retenez cette idée là en tête que normalement c'est de la plume d'Inès, il y a certaines scènes c'est un petit peu particulier, voilà. C'était juste le petit point, on va dire, de la logique de présenter ce livre-là comme ça. Donc, pour revenir sur Inès, c'est une Espagnole, donc elle commence sa vie en Espagne. Vous avez le début, je crois, à partir du moment où elle est fin de sa vie adolescente. Elle va se marier, le mariage ne va pas forcément très bien se passer, et puis son mari va décider de partir pour le nouveau monde, puisqu'à ce moment-là, c'est vrai que c'est quelque chose dont tous les hommes rêvent, on leur promet richesse, on leur promet pouvoir, une vie complètement différente de celle qu'ils peuvent mener en Espagne. Donc ça arrive très souvent que des Espagnols décident de partir pour le nouveau monde et de laisser famille et amis en Espagne. Donc il se rend là-bas, Inès reste quelques temps en Espagne, puis décide d'elle aussi partir pour le Nouveau Monde, en prétextant rejoindre son mari, puisqu'il fallait absolument une signification valable pour les femmes de faire ce chemin-là. Elle ne pouvait pas juste dire qu'elle voulait explorer le Nouveau Monde, c'est une tâche uniquement réservée aux hommes. Et donc va entreprendre ce voyage et va débarquer au Pérou. Enfin, elle débarque pas tout de suite au Pérou bien entendu, mais ensuite elle va arriver au Pérou et va rechercher son mari, puisqu'en fait il faut bien qu'elle ait une situation là-bas, puisque c'était déjà la justification de son voyage. Il faut absolument qu'elle le retrouve, puisque sinon les gens vont commencer à se poser des questions. On est au 16e siècle, une femme ne peut pas être toute seule comme ça, de plus sans mari, alors on sait très bien qu'elle est mariée. Donc elle va partir à sa recherche. Elle va découvrir qu'en fait son mari est mort, ce qui fait qu'elle devient veuve et qu'elle a un petit peu toutes les libertés devant elle. Elle va bien sûr pas repartir en Espagne, puisque elle n'est pas allée là-bas uniquement pour retrouver son mari, mais aussi pour avoir une nouvelle vie.
Et donc elle va commencer à partir de ville en ville et avec plusieurs éléments, plusieurs rencontres, elle va faire partie de l'excursion en direction du Chili, puisque en fait c'est un territoire qui est encore non conquis par les Espagnols. C'est un territoire extrêmement hostile, puisque quand on y va depuis le Pérou, il y a soit un immense désert à traverser, soit les montagnes. Et plusieurs excursions ont eu lieu qui se sont soldées par des échecs cuisants, soit à cause de la nature très hostile, soit à cause des populations qui, bien entendu, défendent leur territoire et qui, elles, maîtrisent cet environnement et ce territoire hostile et donc qui ont l'avantage sur ces explorateurs, même si ce terme a quelque chose de très positif, alors qu'en fait, ils arrivent pour plutôt détruire ce qui était déjà là, imposer leur langue, leur religion, leur politique. Donc vous allez, bien entendu, avoir tout le contexte de la conquête, toutes ces violences, toute l'horreur en fait qu'il y a. Je veux dire, je pense que vous êtes tous au courant, on l'a tous étudié, de l'horreur qu'était en fait la conquête de l'Amérique. On ne laissait absolument aucun droit aux populations qui étaient déjà sur place. Le but c'était vraiment de s'attribuer les territoires. On n'était pas là pour épargner des vies. Si les vies étaient épargnées, c'était ensuite pour les faire travailler en fait pour le compte de tous ces colons, et donc absolument pas pour devenir amis avec eux. Et donc, étant donné que vous êtes sous l'écriture d'Inès, vous êtes beaucoup avec elle et sur sa vie au quotidien. Donc vous allez vous rendre compte très vite que c'est une femme déjà qui a beaucoup besoin d'indépendance, qui est très libre, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas faire, qui a cette fameuse fierté espagnole, beaucoup d'orgueil, et qui est assez impressionnante dans tous ses actes et tout ce qu'elle va faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un roman, donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas vraies. J'ai trouvé que la vie qu'elle mène, en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Alors j'ai envie de croire qu'elle a eu cette vie-là, j'ai envie de croire qu'elle a été épargnée par beaucoup de violences et d'horreurs qu'une femme toute seule aurait pu subir dans ce contexte-là. Mais voilà, et par moments, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop moderne. Et de l'autre, j'ai envie d'y croire. Donc voilà, il y a un peu ce décalage. Je ne suis pas historienne et je ne suis absolument pas du tout spécialisée dans cette époque-là, donc je ne peux absolument pas savoir si tout ça est réaliste. Si on se base purement sur le roman et non pas sur l'aspect historique, bien entendu, c'est une femme qui est impressionnante, qui a beaucoup de convictions, qui prend beaucoup de choses en main, et c'est en ça que c'est assez stupéfiant de voir sa vie. En revanche, c'est quelqu'un qui manque cruellement de sororité. J'ai trouvé que c'est une femme qui impressionne, mais dont on n'a pas forcément envie d'être amie avec elle. Les hommes, une très grosse partie de cette histoire, c'est quelqu'un qui se jette à corps perdu dans ses histoires amoureuses. Elle va revenir sur toutes les grandes histoires qui ont compté pour elle. Les hommes sont souvent décrits d'une manière très élogieuse. C'est beaucoup tourné là-dessus, et au final, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle a des amis. Elle nous présente certaines femmes comme étant devenues ses amies, mais on n'a pas forcément des scènes qui nous le prouvent. Et j'ai trouvé que c'était pas quelqu'un qui était tourné vers les femmes en tant qu'amie, en tant que soutien, etc. Même si elle tend à le dire, comme quoi il y a eu des femmes qui sont devenues ses meilleures amies. En tout cas, on n'en a pas la preuve, et j'ai trouvé vraiment que c'était quelqu'un que j'avais pas spécialement envie de rencontrer. Je pouvais être impressionnée par son destin, mais pas envie de rencontrer. À un moment, donc, l'autrice lui fait dire quelque chose qui est à remettre dans le contexte de cette conquête et de la vision qu'avaient ces colons par rapport aux autres populations. Donc en fait, c'est le moment où ils sont au Chili et donc ils commencent à construire la ville de Santiago, qui va devenir la capitale du Chili. Et ça fait plusieurs mois, peut-être plus d'une année, qu'ils sont dans cette ville et qu'il n'y a pas d'autres Espagnols qui ont débarqué. Et puis un navire va arriver avec d'autres colons, et du coup Inès va dire comme quoi, pour la première fois, elle va enfin être entourée des femmes de sa race. Alors c'est forcément une phrase qui est impossible aujourd'hui, qui est choquante et qui est violente dans ses propos, qui était forcément une phrase utilisée couramment, mais ça montre à quel point, même si en fait elle a vécu les mêmes moments d'horreur, parce que tout n'a pas été rose dans cette conquête, tous les moments d'horreur, de violence, de peur qu'elle a partagé avec ces femmes-là, qui certes ne font pas partie
de son peuple ou de sa race, mais qui en fait ont été un soutien, qui l'ont aidé, et ben dès qu'en fait d'autres Espagnols arrivent, on voit tout de suite qu'elle se met à un autre niveau et que certes elle a pu bénéficier du soutien, de cette aide de ces autres femmes, mais que elle n'oubliait pas en fait le rang, on va dire, par rapport à elle. Et c'est quelque chose qu'on peut revoir dans d'autres scènes où par exemple elle va beaucoup s'émouvoir d'un sort qu'on réserve à un homme qui n'a pas eu un comportement approprié. C'est vraiment quelque chose qui va la rendre triste, qui va la travailler, de savoir qu'on a puni cet homme de cette manière. En revanche, de savoir que les autres soldats qui les accompagnent utilisent les indiennes comme leur objet sexuel, elles sont marquées de bleu parce que quand ils ont trop bu, ils se déchaînent sur elles, etc. Elle va le raconter de manière extrêmement factuelle, sans sentiment, c'est-à-dire... plutôt, on va leur rappeler qu'il faut prendre soin, limite, de leur objet, mais pas... Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement dommage qu'il y ait une différence aussi pour elle entre les hommes et les femmes, alors qu'elle-même montre beaucoup de féminisme, finalement, dans ses actes, mais ne considère pas les autres femmes autant que les hommes. Donc, du coup, c'est assez difficile de l'apprécier à ce niveau-là. Si vous voulez un livre, voilà, qui vous replonge dans la conquête de cette Amérique pour qu'elle devienne ensuite l'Amérique latine, je vous le conseille. Sur le Chili, en fait, la conquête, c'est vraiment au tout début. Donc le Chili n'est absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, ils arrivent, ils décident en voyant en terrain que ça sera la ville de Santiago, et donc vous avez même pas le début de ce qu'est le Chili aujourd'hui. C'est vraiment la prise à ces populations locales qui étaient déjà sur place de ce territoire pour le transformer en territoire espagnol. Au niveau historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux absolument pas vous dire si c'est assez fidèle ou pas. En tout cas, si vous n'êtes pas, on va dire, spécialiste sur ce sujet-là, je pense que vous pourrez vous plonger dedans sans voir les petites choses qui peut-être ne correspondraient pas. Mais comme je vous l'ai déjà dit, par contre, c'est assez difficile de trouver de la sympathie dans ce personnage d'Inès, du fait qu'elle a un manque cruel de considération envers les autres femmes. Mais j'ai aimé ma lecture, j'ai aimé se plonger dedans, même si c'est pas forcément des récits faciles, et c'est une histoire qui me reste encore un peu en tête, et donc que je vous conseille si ce thème-là vous intéresse. Donc voilà pour le premier livre. Et ensuite, c'était absolument pas prévu, mais en faisant un Love Vinted, il y avait un livre où j'avais vaguement... Enfin, je sais pas, le titre me disait quelque chose, je sais pas où est-ce que j'ai entendu parler de ce livre-là, mais je l'ai mis dedans et je l'ai dévoré et j'ai adoré. Donc, il est sans doute très très connu, hein, mais moi, je ne l'avais jamais lu. Et donc, c'est Le Vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda, donc qui est également un auteur chilien. Et j'ai complètement adoré ce livre-là. Donc si vous le connaissez déjà, je suis désolée, ça risque d'être redondant. Moi, je ne connaissais pas, mais comme je vous le dis, ce titre me disait quelque chose. Donc ça vient de quelque part, mais je ne sais pas d'où. Pour vous raconter l'histoire, donc c'est un livre qui est très très court. Donc on est en Amérique latine, on est en Amazonie. Au niveau de l'époque, on est juste après... du coup la conquête également, puisque on parle à nouveau de colons, on parle effectivement des populations indiennes, on est encore dans cette distinction de race, encore dans cette distinction de couleur, donc je le situerai juste après toutes les conquêtes. Vous êtes dans un village qui s'appelle El Idilio, et vous avez Antonio qui est présenté comme vieux à cette époque-là, qui vit tout seul dans sa cabane et qui lit des romans d'amour. En fait, il y a un dentiste qui vient de manière régulière dans ce village pour soigner les dents des gens, et en fait à chaque fois il lui rapporte des romans d'amour, et donc du coup voilà, il mène une vie tranquille où il respecte énormément la nature, énormément l'Amazonie, et il passe son temps du coup avec cette vie plutôt calme et être plongé dans ses romans d'amour. Vous allez avoir au milieu du livre des petits flashbacks pour vous raconter en fait sa vie antérieure, pardon, pas sa vie antérieure, mais ce qu'il s'est passé avant cette histoire-là,
Et donc vous avez un peu plus d'éléments pour comprendre aujourd'hui en fait son comportement, sa conception de la nature et pourquoi aujourd'hui en fait il peut être sensible à certains sujets plus que d'autres. Donc ça commence avec justement l'arrivée de ce dentiste qui est en train de soigner le village et en fait une pirogue va arriver sur le fleuve et on va se rendre compte qu'il y a un homme blanc qui est mort et qui présente des blessures. Donc on va accuser des personnes d'avoir tué ce blanc et puis Antonio qui connaît très bien l'Amazonie, la nature et les animaux va regarder la blessure et va se rendre compte que c'est bien entendu pas l'œuvre d'un homme mais l'œuvre d'un animal puisqu'on voit très clairement qu'en fait c'est sans doute des griffes en fait qui l'ont tué. Et en fouillant ses affaires, on va se rendre compte qu'il y a notamment des peaux d'animaux dans son sac et on commence à supposer que l'homme a sans doute tué des petits d'une panthère, sans doute, et que son état est sans doute lié à sa rencontre malheureuse avec la mère de ses petits. On décide de ne pas trop en faire de cas et d'essayer d'oublier ça. De toute manière, a priori, ce n'est pas un homme qui aurait tué ce colon, donc on n'y risque pas d'avoir des soucis. Et on oublie cette histoire. Malheureusement, dans des villages de plus en plus proches, d'autres corps sont retrouvés et on commence à s'inquiéter parce qu'on se dit que sans doute la mère est en train de massacrer en fait les hommes par colère et par vengeance. Et donc il faut mettre un terme à ça puisque en fait elle ne sera jamais assouvie de sa vengeance et ça commence à devenir très dangereux pour le village. Donc suite à ces morts qui alertent le village, le maire décide en fait, accompagné de d'autres membres du village, de partir à la recherche de cette panthère pour y mettre un terme. Donc Antonio fait partie de ce voyage, mais plutôt de cette mission, puisque on sait très bien qu'il connaît l'Amazonie, qu'il sait se défendre, qu'il sait chasser, et donc il peut être très utile dans cette mission. Au bout d'un certain moment, en fait, le maire qui ne sert à rien, mort de peur, va décider de rebrousser chemin. Je sais plus combien ils sont, deux ou trois autres hommes vont également rebrousser chemin et Antonio va décider tout seul de voir comment en fait il peut essayer de retrouver cette panthère. Donc comme je disais, le récit est entrecoupé avec des souvenirs d'Antonio et donc vous commencez à un peu plus le connaître. J'ai fini ce livre, enfin j'arrivais pratiquement à la fin de ce livre et j'étais dans le train et j'ai commencé à comprendre comment ce livre allait terminer. Et j'ai refermé ce livre parce que je me dis il est hors de question que je finisse dans le train parce que je sens que je serai capable de pleurer en lisant ce livre et je ne veux pas finir dans cet état-là dans le train. Je voyais que beaucoup de gens, les gens disaient que c'est souvent des coups de cœur et quand je lisais le début de ce livre, j'étais là, oui, bon, en Amazonie, ok. En fait, ce livre, c'est une ode à la nature, à l'environnement et ça dénonce en fait le comportement des hommes. Donc il y a le fait effectivement des hommes qui sont venus conquérir en fait un territoire qui n'était pas le leur et qui ont soumis en fait des tribus à soit l'exil, soit être au service de ces hommes-là. Et le fait de la nature qui est détruite, on le voit encore aujourd'hui notamment sur l'Amazonie. Et donc l'irrespect de l'homme face en fait à cette nature et face aux autres espèces qui habitent cette nature. Et en fait on comprend en lisant ce livre que en fait c'est cette ligne-là qui va être suivie et en fait on, avant même de lire tout ce qui va suivre, on comprend en fait de quoi il va en retourner. C'est une histoire du coup que j'ai beaucoup aimée en fait, je trouve c'est le genre d'histoire que vous adorez encore plus quand vous l'avez fini. J'ai aimé le message, c'est un livre très court, on le présente même comme un conte. Donc moi déjà de base j'adore les contes mais j'ai aimé cette histoire, c'est une histoire que je pourrais relire là tout de suite en reprenant le livre, c'est sûr et certain. Je vous conseille bien entendu cette histoire si vous n'en avez jamais entendu parler. Voilà, c'est plein de poésie, plein de beaux messages et vraiment il faut lire ce livre, il faut lire cet auteur. Je pense que je vais bien entendu lire ses autres livres, je sais pas pourquoi j'ai encore jamais lu cet auteur.
Mais honnêtement, je me demande si je n'ai pas... Je l'ai sans doute lu en cours d'espagnol. Je vois pas comment j'aurais pu faire tant d'années d'espagnol sans lire cet auteur. Je pense que je m'en souviens sans doute pas et sans doute qu'il nous a été évoqué. Je sais pas pourquoi ce nom et ce titre me disaient quelque chose. Après, l'auteur est décédé il y a pas si longtemps, donc peut-être qu'on en avait entendu parler et que ça vient juste de là. En tout cas, je suis très contente de l'avoir découvert. Et donc, je me suis acheté la version en espagnol, puisque quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que ça allait totalement être abordable en espagnol, ce qui est le cas. J'ai lu des phrases, je comprends. Alors déjà, je l'ai lu en français, donc c'est plus facile, mais je l'ai même lu à d'autres personnes et la phrase était complètement compréhensible pour des gens qui ont étudié l'espagnol. Après, je peux pas vous dire que si vous avez jamais lu d'espagnol, vous pourrez lire ce livre-là, mais je suis très contente de l'avoir découvert et je peux que vous le conseiller. Je vois pas comment on pourrait ne pas aimer ce livre-là. Encore une fois, on est dans un contexte où il y a une différence raciale entre les personnes, où du coup il peut y avoir des termes ou du vocabulaire utilisé qui n'est plus adapté aujourd'hui, mais qui se mettent dans un contexte historique où les gens l'utilisent. Donc je sais qu'il y a une phrase qui peut choquer aujourd'hui, qui se place aujourd'hui dans son contexte malheureusement, et bien sûr qu'on aimerait ne pas voir, mais qui est malheureusement les termes utilisés à l'époque. Au-delà de ça, vraiment pour les messages de ce livre-là et pour l'histoire, je vous le conseille bien entendu. Par contre, c'est pas un livre... C'est un livre qui peut faire pleurer, hein, honnêtement, à la fin. Moi, quand j'ai mis sur Instagram que je lisais ce livre-là et que je l'ai fini, je me suis dit, mais pourquoi personne m'a prévenu de comment il finit, que comme quoi je vais être à terre après avoir lu ce livre-là. De notre côté, peut-être que j'aurais été prévenue et que je l'aurais pas vécu pareil, mais vraiment, je pense que ça, c'est une lecture qui peut aussi... pas dévasté, mais qui peut vous mettre quand même dans un état un petit peu triste pour vous prévenir. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir découvert cet auteur. Ensuite, on va rester en Amérique latine. Alors, l'autrice est espagnole, mais le livre parle d'une femme mexicaine. Et donc, je vais vous parler de Frida Kahlo. Alors, l'autrice c'est Maria, et je sais pas du tout comment on le prononce parce que je me dis vu qu'elle est espagnole, donc... Il est écrit là, vous voyez du coup son nom. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais qui, pareil, c'est pas des lectures faciles, hein, c'est vraiment pas du tout des lectures évidentes. Alors sur Frida, je vous avais déjà présenté, j'avais lu Frida de Benjamin Lacombe, qui lui est plutôt un livre artistique, qui reprend en fait les principales œuvres de Frida et qui nous met quelques éléments biographiques. Sur Frida, que là, ce livre-là est plus biographique et vous avez beaucoup plus d'éléments de la vie de Frida. Je vais vous mettre du coup des inserts pour vous montrer un petit peu comment le livre est fait. Donc là aussi, l'autrice a décidé de présenter le livre comme si c'est Frida qui nous parlait directement. Donc vous alternez en fait avec des pages du journal de Frida directement, d'autres que l'autrice elle-même écrit pour apporter un peu plus de contenu. Et vous avez du coup certaines de ses œuvres qui sont redessinées. Vous avez même des couvertures de magazines qui sont reprises. Et c'est une lecture vraiment que j'ai beaucoup beaucoup aimée. Je trouve qu'en fait l'alliage entre des éléments biographiques, des éléments du journal, tous les dessins qu'accompagnent, c'était un mélange parfait. Donc sur Frida, je connaissais, on va dire, les grandes lignes, notamment par l'autre livre Frida de Benjamin Lacombe, qui reprenait à la fin sa biographie, les principaux événements. Mais là, je sais pas, peut-être à cause de ces pages de journal, il y avait quelque chose de beaucoup plus intime. On avait vraiment l'impression d'être avec Frida, et non pas de connaître des choses factuelles, mais aussi d'avoir son ressenti sur ces événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. En fait, c'est particulier, l'histoire de Frida, et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens sont intrigués par son histoire. C'est qu'en fait, c'est une vie de souffrance perpétuelle avec en fait cette vie artistique et le côté passionnel en fait qu'elle avait dans ce qu'elle se lançait. C'est intriguant, intéressant et hypnotisant, je trouve, de suivre sa vie. On a du mal à refermer le livre parce qu'on veut toujours
en apprendre un peu plus, on veut se plonger dans ses œuvres. Je vous laisse vous renseigner sur la vie de Frida parce que moi c'est pas dans une vidéo que je pourrais résumer ça alors qu'il y a des très bons livres comme celui-ci qui le font très bien. Mais donc Frida est connue pour sa carrière de peintre. Donc comme je vous l'ai dit, elle est mexicaine, elle a eu un terrible accident étant jeune qui fait qu'elle a eu une vie de souffrance physique qui a entraîné une souffrance psychologique. Et elle s'est plongée dans le refuge, on va dire, enfin elle a trouvé comme refuge la peinture. Elle a eu des histoires d'amour qui n'étaient pas là pour l'apaiser et la calmer, au contraire, certaines qui n'ont fait qu'accentuer en fait sa souffrance. Et vous pouvez être que attristé en fait à la fin quand vous finissez, quand vous fermez ce livre, parce que vous dites en fait c'est terrible que quelqu'un ait eu cette vie là. Alors elle a quand même pu voyager, elle a rencontré des grands artistes, etc. C'est quelqu'un qui avait mal constamment, c'est quelqu'un qui a dû renoncer à des choses qui étaient très importantes pour elle du fait de ce corps en fait qui l'a jamais aidée en fait. Elle a été dans un corps qui a été contre elle, on va dire. Et du coup en fait la phrase, enfin ce livre se termine du coup par la mort de Frida. Et donc par cette phrase qui je trouve est terrible, j'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir. Et c'est, enfin je sais pas, je trouve que cette phrase explique tout. Il y a très peu de personnes je pense qui au moment de mourir se disent j'espère ne jamais revenir. Et pour moi c'est vraiment, ça montre en fait à quel point elle n'avait pas grand chose à garder de cette vie qu'elle a eue. Donc voilà, c'était assez bouleversant, c'était intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Alors bien entendu, maintenant j'ai envie de découvrir ses œuvres, j'aurais envie d'aller au Mexique visiter sa maison, donc la Casa Azul que vous pouvez visiter. C'est en fait comprendre comment elle a pu surpasser tout ça. Alors que quand vous voyez en fait sa vie, vous dites mais c'est vrai de pire en pire quoi, à croire qu'il n'y a jamais quelque chose qui le destin se dit bon ok, t'en as assez, t'as assez vu de choses, là ok je t'aide un peu, c'est à chaque fois un coup en plus sur elle. Donc si vous êtes intéressé par Frida Kahlo, si vous connaissez déjà son histoire, est-ce que ceci apporte quelque chose de plus? Je sais pas, il y a au moins les passages de ses journaux. Si vous connaissez absolument pas, du coup je vous conseille parce que c'est quand même assez complet et que vous aurez beaucoup d'éléments. Et ensuite vous pourrez vous documenter par la suite. Il me semble qu'elle a mis une bibliographie, je regarde. Il y a une bibliographie, une filmographie et des documentaires. Donc en plus vous pouvez compléter en fait par tous ces supports là. Donc vraiment moi je vous le conseille, je le trouve très bien fait, j'aime beaucoup les dessins de cette autrice, dessinatrice, illustratrice. Donc je peux que vous conseiller Frida Kahlo. Donc voilà pour l'Amérique latine, c'était pas prévu, je les ai pris un peu, enfin souvent mes lectures, je me pose devant la bibliothèque et puis je les regarde et puis je prends celui qui me vient à ce moment-là. Je sais pas si le fait d'être plongée en Amérique latine avec le premier m'a donné envie de continuer sur ce domaine-là, mais en tout cas c'était mes lectures d'Amérique latine. Pour finir, vu que j'ai pris pas mal de temps à vous parler de ces trois-là, je vais vous parler deux livres plutôt légers et ça va pas durer très longtemps. J'ai continué la saga Agatha Reza Enquête. Donc là j'en suis au tome, pour certains ils mettent les numéros d'autres noms, le tome 4, donc Randonnée Mortelle, qui était sur la même ligne que les autres, donc j'ai plutôt bien aimé, c'était comme ce qu'on attend d'Agatha Reza, encore une fois, si vous connaissez pas, c'est ce qu'on appelle du cozy mystery, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un policier mais c'est pas une enquête spectaculaire, d'ailleurs les justifications de meurtre sont souvent très très limites, j'ai pas aimé qu'elle m'ait dit ça alors je l'ai tuée, ok. Voilà, on n'est pas sur du thriller, on n'est pas sur des révélations stupéfiantes à la fin, pas du tout, vous êtes là pour avoir l'ambiance de l'Angleterre. L'ambiance du petit village avec des cottages, les gens qui vont dans le pub à la fin de la journée, vous avez un petit meurtre, vous avez deux personnes qui ne sont absolument pas de la police qui vont s'en mêler, qui vont découvrir avant même la police qui a fait quoi. Voilà, c'est ce style là moi que j'aime bien me plonger dedans, j'aime bien lire aussi
des policiers, des polars, des thrillers bien noirs, mais ça me correspond aussi. Donc voilà, j'ai aimé me replonger là-dedans, c'était plutôt une enquête intéressante, encore une fois, la justification du meurtre. Heureusement que tout le monde se tue pas pour des choses aussi bêtes. Mais voilà, si vous connaissez, enfin je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, si vous aimez les... Justement que vous aimez pas en fait tout ce qui est plutôt noir, horreur, etc. Mais que vous avez envie de lire des petites enquêtes où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de blessures assez horribles à lire, etc. Ben, tentez le Cozy Mystery et avec Agatha Raisin. Après, on l'aime ou on l'aime pas, là, c'est un personnage pas très particulier, mais en tout cas, vous pouvez passer un bon moment. Ensuite, j'ai lu un nouveau manga. Alors, ce moment est réservé aux personnes qui sont complètement folles de chats. Je vous le dis parce qu'en fait, si vous, c'est pas votre cas, vous n'allez pas comprendre à quel point ce manga... pourquoi j'ai adoré ce manga, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez des chats ou si vous adorez les chats, vous allez adorer ce manga. Donc, c'est celui-ci, La Gameuse et son chat. Et je vous promets, tout le long que j'ai lu ce livre, j'étais là, oh, mais c'est trop mignon. Oh, mais c'est quoi cette tête? Oh, mais la petite patoule. C'était ça tout le long, voilà. C'est la mangaka, en fait, a elle-même adopté un petit chaton, donc avec lequel elle s'est inspirée. Et on voit clairement au dessin, aux situations, que c'est quelqu'un qui possède un chat. Mais c'est, oh là là, et puis c'est tellement bien dessiné, mais je vous jure, c'est que des dessins comme ça, avec sa petite frimousse et tout, c'est infernal. Alors, regardez. Donc pour l'histoire, parce qu'il y a quand même une histoire derrière, en fait vous suivez, alors comment elle s'appelle, Kosakura, qui a 29 ans, et donc il travaille dans un bureau, et qui tous les jours, à 17h pile, rend son travail et part en courant rentrer chez elle. Donc ses collègues savent pas trop ce qu'elle fait, mais elle accepte aucune sortie, elle fait jamais rien après le travail, elle rentre tout de suite chez elle. En fait, donc cette jeune femme adore jouer aux jeux vidéo, et si elle rentre à chaque fois en courant chez elle, c'est pour pouvoir à nouveau jouer aux jeux en ligne. Et c'est vraiment sa passion, c'est jouer aux jeux vidéo, elle adore finir les jeux, donc il y a un terme pour ça, mais je sais pas c'est lequel, c'est les gens qui veulent absolument finir un jeu à 100%, donc elle dédie en fait son argent, son temps libre aux jeux vidéo. Sur un coup de tête comme ça, elle va adopter un petit chaton, en fait quelqu'un va arriver au bureau et dire qu'il a trouvé en fait un petit chaton abandonné, est-ce que quelqu'un veut le prendre? Et à la stupéfaction de tous ses autres collègues, elle va se proposer, alors qu'on sait pas vraiment... Enfin, elle a l'air d'être très heureuse dans sa solitude, etc. Elle montre pas forcément d'intérêt pour les animaux en général, pourquoi adopter un chat? Et même elle comprend pas trop ce qu'il lui a pris, elle l'a vu et elle a pas eu le choix que de l'adopter. Et donc va commencer cette cohabitation, cet apprentissage entre cette jeune femme et le petit chaton. Donc au-delà de tous les dessins mignons, etc., il y a des messages aussi à l'intention de gens qui s'y veulent adopter, puisqu'à un moment, elle va avoir très peur, elle va l'emmener chez le vétérinaire. Et donc, ce que va conclure le vétérinaire vous donne aussi des conseils. Elle va beaucoup demander conseils, notamment à une vendeuse d'animalerie. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des petits conseils comme ça aux gens qui commencent à adopter un chat. Pour tout l'aspect gaming, tous les termes de jeux vidéo sont expliqués, donc vous allez acheter une petite astérisque qui vous dit. Mais c'est important parce qu'en fait, on va se rendre compte que la gameuse va, pour essayer de comprendre son chaton et pour essayer d'appréhender la vie tous les deux, va en fait interpréter tout ça comme dans un jeu. Elle va se dire, je comprends pas ce que tu fais, elle va regarder son jeu, elle va dire, ah mais c'est comme s'il se passait ça dans le jeu, et donc il va falloir que tu fasses ça. En fait, tes comportements s'expliquent comme ça, et donc en fait c'est tout ce lien entre les jeux vidéo et la vie réelle avec un chaton qui est assez drôle. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment pour les amoureux des chats. Si par contre vous aimez les jeux vidéo, vous aimez pas les chats, je sais pas si dans ce sens là ce manga peut vous intéresser, mais moi par exemple je joue pas aux jeux vidéo, je suis absolument pas quelqu'un qui est à fond dedans, et pourtant j'ai aimé ce manga parce que oui, c'est des choses qu'elle fait à côté, il y a des termes qui sont expliqués, mais c'est pas que ça, c'est surtout sur ce petit chaton. Et donc du coup moi j'ai forcément adoré, il n'y a pas besoin d'être dans cet univers là pour apprécier ce manga. Le tome 2 est sorti, donc voilà, je vais complètement craquer. C'est du marketing, c'est juste parce qu'il y a un chat dessus, oui, mais il est très bien dessiné, il est très mignon. Je me rappelle plus le nom qu'elle a choisi parce que c'est un nom japonais et que je m'en souviens absolument pas, mais en tout cas si vous aimez les chats, lisez La Gameuse et son chat, les dessins sont vraiment très très bien faits.
Donc voilà pour ce premier update lecture de mars, la suite arrivera bientôt, ça sera surtout sur des femmes, donc soit le personnage principal est une femme, soit c'est l'autrice qui est une femme, enfin voilà, c'était le mois de mars, mars au féminin, donc bien entendu qu'il y avait des lectures autour de ce thème là. En tout cas j'espère que ces lectures là vous auront inspiré, notamment la lecture avec des auteurs ou alors sur des personnes qui viennent d'Amérique latine. Dites-moi si vous en connaissiez certains, si vous appréciez. Et en attendant, moi je vous retrouve dans pas très longtemps pour la suite de l'update lecture et dans d'autres vidéos. À bientôt !